De l'opération Village Illuminé. Bonjour, chaque vendredi jusqu'à Noël, tendance ouest sur les routes de Normandie à la découverte de ce qui se passe dans notre région à l'occasion des fêtes de fin d'année. Aujourd'hui donc, on vient de le dire, nous sommes dans l'Orne à Flers avec Mickaël Foinon qui est en charge de l'animation, de la promotion du territoire de Flers. Mickaël Foinon, bonjour. Bonjour Eric. Un grand jour s'annonce demain à Flers puisque ce sera celui du lancement du mapping vidéo. Ça mérite quelques explications. C'est quoi un mapping ? Alors un mapping, c'est un son et lumière qui est projeté sur un édifice patrimonial. Nous, on a décidé de le diffuser sur l'église Saint-Germain en plein cœur de ville. L'église qui sert d'écran hyper géant et ça marche depuis plusieurs années déjà. Exactement, c'est la cinquième année et c'est un succès croissant puisque le public répond présent tous les samedis et dimanches de 18h à 20h en continu. Alors, il y a eu plusieurs mappings déjà, celui de cette année, on peut en savoir un petit peu plus, c'est quoi le thème ? Exactement, tous les ans on change de thème, cette année on transforme Flers en station de sport d'hiver. On se retrouve transformé en une station de ski avec tout ce que ça comporte, donc des descentes de ski, la retraite au flambeau, un coucou, donc voilà, tout un univers autour de la montagne. Ça fait rêver les plus petits et puis c'est magnifique pour les plus grands. Exactement, c'est toujours à chaque fois un spectacle son et lumière qui est féerique. Et puis ce qui est important, c'est qu'on peut venir quand on veut. C'est une boucle qui dure à chaque fois en continu avec le mapping de cette année. On alterne avec celui de l'an passé qu'on rediffuse. Et comme ça, de 18h à 20h, les habitants, les visiteurs, les touristes peuvent profiter du spectacle. Flers tout chousse, hein, c'est ça. Flers tout chousse, on bascule sur une station de ski. Voilà, Flers tout chousse, après l'année dernière où on était sur le géant de Flers. Alors, vous l'avez dit, le samedi, le dimanche soir, c'est gratuit évidemment. C'est gratuit, tout à fait. De quelle heure à quelle heure vous avez ? De 18h à 20h en continu. La soirée de lancement, ça, c'est demain. Le lancement du mapping, c'est 19h demain, c'est ça ? Exactement. Demain, le premier mapping, c'est 19h. Après, ce sera toujours 18h, 20h. Pourquoi 19h demain ? Parce que demain, c'est un temps fort. Et pour la première fois, on va organiser aussi en amont un spectacle lumineux. Avant le début du mapping, de 17h à 18h30, une déambulation lumineuse dans la ville de Flers avec des géants, avec des échassiers, avec une troupe d'artistes donc qui va colorer la ville. Demain, ce sera aussi le début des illuminations dans toutes les rues ? Exactement, donc 17h30 au top départ, place Saint-Jean de la parade lumineuse, jusqu'à 18h45. À 18h50, lancement des illuminations, puisque donc Flers va s'illuminer pour 4 semaines. Et à 19h, le début du mapping. La grosse journée demain, on l'a bien compris, ça se poursuit dimanche et puis les week-ends suivants. Hein. Exactement, c'est que le début des festivités puisque tous les samedis et dimanches, donc il y a le mapping. Et puis tous les après-midi, il y aura aussi des balades en calèche le week-end, des animations proposées. Le marché de Noël samedi et 10 et dimanche 11 prochain. Voilà, le week-end aussi, des vacances scolaires qui sera bien animé. Donc, 17-18. Hein. 17-18. Donc l'idée, c'est vraiment de passer de belles fêtes de fin d'année dans le centre-ville de Flers et de faire en sorte qu'il soit le plus animé possible. On ne l'a pas dit, mais il y aura aussi le Père Noël qui va passer. Évidemment qu'il sera présent dès demain parce qu'il sera là pour le lancement des illuminations, le nouveau mapping. Il sera présent aussi tous les week-ends. Mickaël Foinon, merci d'être venu nous donner envie un petit peu de venir à Flers demain, donc on l'a bien compris, sur toute la fin de l'après-midi et puis tous les week-ends suivants ici à Flers jusqu'à Noël. On va parler d'animation commerciale à Flers, ce sera dans une heure. Mickaël, vous êtes chargé de l'animation, de la promotion du territoire de Flers. Merci d'être venu ce matin sur Tendance Ouest. Merci à vous. Tendance Ouest part à la rencontre des Normandes et des Normands qui font Noël dans notre région. Tendance Ouest.